Assalomu alaykum, hurmatli webinarimiz qatnashuvchilari, ishtirokchilari. Xush kelibsiz. Bizani Davlat test markazi tomonidan 3-chi marotaba o'tkazilayotgan webinarga. Bugungi webinarimizning mavzusi fransuz tili B2 darajasi haqida nimalarni bilish lozim degan mavzuda webinar bo'ladi. Webinarni Samarqand Davlat chet tillari institutining fransuz tili va adabiyot kafedrasi dotsenti, filologiya fanlari doktori Dmitriy Anatoliyevich Kiselyov tomonidan olib boriladi. Faqatgina hozir mana oldindan bitta savol barchaga, qanaqa til, qaysi tilda bo'lsin, rus tilidami yoki fransuz tilidami? Shuni ham chatga yozsanglar, undan keyin webinarimizni boshlaversak bo'ladi deb o'ylayman. Дмитрий Анатольевич, вам слово. Добрый день, уважаемые участники вебинара. Рад приветствовать вас. Сегодня мы постараемся проанализировать структуру заданий на, для получения сертификата на уровень B2 по французскому языку. Ну и попробуем посмотреть, каким образом можно улучшить свои результаты. Презентация подготовлена на французском языке. Я думаю, что целевая аудитория, учитывая тот факт, что целевая аудитория наша — это те, кто собираются получить этот сертификат, и те, кто помогают в подготовке к экзамену. Поэтому, думаю, логично будет, если мы нашу презентацию приведем на французском языке. Ну, если в конце возникнут вопросы на том языке, на котором будет вам удобно, можно будет их задать. Итак, bonjour, chers participants du webinaire. Aujourd'hui, nous allons analyser la structure et le contenu des épreuves qui permettent d'obtenir le certificat attestant le niveau de connaissance de la langue française correspondant au niveau B2. Donc, nous allons analyser la structure et le contenu et nous allons également voir comment on peut améliorer ces résultats. Donc, effectivement, le système national d'évaluation des compétences en langue étrangère est basé sur les recommandations et la méthodologie du cadre européen commun de référence pour les langues, élaboré par des spécialistes européens. Et donc là, il faut dire bien sûr quelques mots sur le niveau B2 et les exigences de ce niveau qui est identifié comme le niveau avancé ou indépendant. Donc, celui qui possède ce niveau est capable d'utiliser la langue dans de différents contextes, non seulement personnels, mais aussi professionnels. Il est indépendant dans la communication, que ce soit la communication à l'écrit ou à l'oral ou en interaction.
Hurmatli tinglovchilar, hozir 2 daqiqada davom ettiramiz. Texnik nosozlik, hozir 2 daqiqa. Tinglovchilarga rahmat. Дмитрий Анатольевич, вы нас слышите? Да. Презентацию видно? Да, видно. Спасибо. Так. Спасибо большое. Je m'excuse pour cette petite difficulté technique. Donc là, nous allons reprendre. Effectivement, comme nous avons dit, le système national d'évaluation des compétences en langue étrangère s'appuie sur les recommandations et la méthodologie du cadre européen commun de référence pour les langues. Et donc, le niveau B2 est caractérisé comme avancé ou indépendant. Donc, l'utilisateur au niveau B2 est capable d'utiliser la langue dans des contextes très variés, y compris pour la communication personnelle, mais aussi dans le cadre professionnel. Là, nous pouvons voir le petit descriptif où l'on voit les mots-clés caractérisant ce niveau. Donc, il s'agit des sujets concrets ou abstraits. Il s'agit des textes complexes. Il s'agit d'une discussion technique dans sa spécialité. Donc, dans notre cas, il s'agira bien évidemment du domaine de l'éducation, des sciences humaines avant tout. Quant à la communication, nous avons un haut degré de spontanéité et d'aisance pour la conversation. Dans cette conversation, le locuteur natif n'aura aucune difficulté à vous comprendre et à communiquer avec vous. Quant à l'expression, on peut parler aussi de l'expression par écrit. Il s'agit de la manière de s'exprimer clairement, avec des détails, sur une grande gamme de sujets. Puis, on peut formuler son avis et on peut l'argumenter, on peut le défendre à l'aide des arguments. Donc, nous allons retrouver ces éléments dans les épreuves dont nous allons parler plus tard. Bien évidemment que
certificat délivré par le Centre national d'évaluation n'est pas le seul. Il s'inscrit aussi dans la ligne d'autres diplômes, certificats et attestations, avant tout des diplômes délivrés par des organismes français, dont le diplôme DFB2 ou l'attestation TCF. Donc, diplôme DFB2, c'est un, il faut réussir un examen pour avoir ce diplôme, qui est un diplôme à vie. Tandis que l'attestation, l'attestation TCF, elle est valable pendant 2 ans. Le certificat délivré par le Centre national d'évaluation, c'est aussi un certificat à vie. Quel est l'intérêt d'avoir ce certificat? Avant tout, c'est une reconnaissance officielle de la part d'un organisme public, la reconnaissance officielle du niveau de compétences communicatives en langue étrangère. En même temps, ce certificat donne des facilités aux candidats qui se présentent pour les examens d'entrée dans les universités en Ouzbékistan. Donc, on peut être libéré de l'examen en langue et avoir la note maximale en même temps. Ensuite, nous avons pour ceux qui déjà professionnels, pour ceux qui travaillent déjà comme enseignants dans des établissements éducatifs privés, ce certificat permet de autorise la pratique donc pour certaines personnes c'est une nécessité. Si nous parlons de la structure elle-même de l'examen, il comprend 5 épreuves, dont 4 collectives. C'est la compréhension orale, compréhension écrite, les compétences lexicales et grammaticales et aussi l'expression écrite. C'est-à-dire, ces épreuves sont présentées et sont proposées à tous les participants. Si on réussit, on peut passer à l'épreuve individuelle qui est l'expression orale. Quant à l'épreuve de la compréhension orale, qui est la première lors de l'examen. Donc là, nous aurons affaire avec 4 documents sonores qui sont de genre assez variés. On peut y trouver des dialogues, des monologues, des dialogues courts, des interviews ou des conférences ou encore des reportages de radio. La durée en moyenne de ces documents, c'est entre 2 et 3 minutes. La durée totale de l'épreuve est 40 minutes. Donc, elle comprend les instructions avant l'écoute de chaque enregistrement. Le candidat a le temps de lire les questions et les réponses. Ensuite, il y aura 2 écoutes du document. Il y aura également une pause entre chaque écoute. Et puis, à la fin de l'épreuve, il y a encore 10 minutes pour compléter la feuille de réponse. Donc, comme vous voyez, on a suffisamment de temps pour réaliser les tâches proposées. Donc, 4 documents sonores, 30 questions. Pour un document, il y a 8 questions, pour d'autres, il y en a 6. Toutes les questions et les réponses sont standardisées, c'est-à-dire une question et 3 variantes de réponses, toutes les réponses fermées. Il n'y a qu'une réponse correcte. Quel est l'objectif de cette épreuve? On attend la précision du contenu global du document et aussi la compréhension des détails pertinents des documents audio. On ne recourt pas aux éléments étrangers, c'est-à-dire aux informations qu'on ne trouve pas dans les enregistrements. Cette épreuve, tous les documents audio sont enregistrés avec les pauses et au moment de l'examen, on commence à écouter. Et 40 minutes plus tard, on arrête
on arrête l'enregistrement. Donc, on ne fait pas de pause, on ne peut pas rebobiner, on ne peut pas faire écouter une troisième ou bien une quatrième fois. Il faut le prendre en compte, bien sûr. Donc là, nous pouvons voir un exemple. Comment sont présentées les questions et les réponses. Une question et trois variantes de réponses. Vous pouvez toujours utiliser le livret de questions comme un brouillon, mais il faut recopier les réponses finales sur la feuille de réponse, bien évidemment. Quant à l'épreuve de la compréhension écrite. Donc là, nous retrouvons trois textes, des textes assez longs, en moyenne de 600 à 700 mots, pardon. Ces textes sont de genres variés. Il va y avoir obligatoirement des extraits littéraires, des articles de presse, des articles, des encyclopédies, des guides. Au total, il y a 1 heure, 60 minutes, pour lire les textes et pour répondre aux questions. 30 questions, donc cette fois-ci, c'est beaucoup plus standardisé, 3 textes, 10 questions par texte. Au contraire, les types des questions sont déjà variés. Donc là, nous avons des réponses fermées, donc on propose de choisir la réponse correcte parmi 4 variantes proposées, A, B, C, D. Certaines questions sont formulées comme affirmation, et il faut préciser si cette affirmation est vraie, fausse, ou l'information n'est pas mentionnée dans le texte. Il y a encore de devoirs où il faut associer les éléments. Par exemple, il faut associer les personnes mentionné dans le texte avec des actions accomplies ou leurs opinions. Ou encore, il faut relier les causes, les conséquences, les débuts et les fins des actions, etc. En général, les questions visent à préciser le sens global du texte. Donc, il y a obligatoirement 1 ou 2 questions sur le contenu global. Et ensuite, les détails pertinents. Donc, les détails les détails importants et relatifs bien évidemment au contenu du texte. On peut y avoir aussi une question où l'on propose de préciser la signification d'un mot ou d'une expression dans le contexte donné. Donc, à quoi ressemblent les questions de cette partie de l'examen? Vous pouvez voir. Donc, on a des questions ici. Nous avons mis des questions où il faut choisir la réponse parmi 4 variantes proposées. Et en bas, vous avez encore un exemple de devoir où il faut associer les éléments. Dans ce cas-là, ce sont des réseaux sociaux avec les propriétés ou les services proposés. Donc, il y a 4 éléments et puis 5 variantes de réponse, donc c'est-à-dire il y a une réponse de trop. Quant aux compétences lexicales et grammaticales, donc là nous retrouvons 3 textes. Ce sont des textes courts de 150 à 200 mots à peu près, des textes liés puisqu'il faut comprendre les éléments lexicaux et grammaticaux dans le contexte, bien évidemment. Ce ne sont pas des phrases isolées. Là, nous avons des extraits des articles de presse. Quel type de texte peut-on y retrouver? Ce sont des extraits des articles de presse, des textes académiques. Globalement, ce sont des textes informatifs. Normalement, on évite les textes littéraires puisque parfois ça rend la tâche beaucoup plus complexe. La durée totale de l'épreuve est 40 minutes, donc pour tout, pour lire les textes, pour répondre aux questions, pour trouver les bonnes réponses aux devoirs et compléter la feuille de réponse. 10 questions pour chaque texte, 30 questions au total. Qu'est-ce qu'on évalue dans le cadre de cette épreuve? On évalue l'étendue
et la maîtrise du vocabulaire et des formes grammaticales. Qu'est-ce que c'est ? En effet, l'étendue du vocabulaire, c'est le lexique que vous connaissez. Les synonymes, par exemple, les mots, les termes précis utilisés dans tel ou tel domaine, dans tel ou tel contexte. Mais encore, la maîtrise du vocabulaire, c'est aussi la connaissance où, dans quel contexte il faut précisément utiliser tel ou tel mot. Donc, non seulement connaître des synonymes, mais encore savoir dans quel contexte on choisit telle ou telle forme. Pareil pour les formes grammaticales, par exemple, l'emploi des verbes, l'emploi des temps grammaticaux, l'emploi des constructions syntaxiques, etc. Donc, on fait bien évidemment attention au choix des mots parmi les synonymes ou bien homonymes. On fait attention à l'orthographe lexicale et grammaticale, à l'emploi ou à l'absence des articles, des prépositions, aux accords, par exemple, des substantifs avec des adjectifs, encore la concordance des temps, etc. etc. Donc, on utilise ce terme, l'orthographe lexicale et grammaticale. En effet, l'orthographe lexicale, c'est l'orthographe au sens propre du mot, c'est-à-dire comment le mot s'écrit, mais au niveau de l'orthographe grammaticale, donc là nous avons des accords des participes passés par exemple, ou les accords des adjectifs, ou l'emploi de tel ou tel verbe auxiliaire, etc. Donc là nous pouvons voir un exemple d'un devoir. D'après les compétences lexicales et grammaticales, nous avons un texte, comme vous voyez, il n'est pas très long, mais ça peut être lié, où les éléments sont l'un à l'autre. Les éléments qui sont omis, par exemple Q1, Q2, et Q3, etc. Et pour chaque question 1, question 2, et pour chaque élément omis, il y a 4 variantes de réponse. Donc, il faut choisir soit parmi les synonymes proposés, soit il faut choisir la forme grammaticale qui convient le mieux. L'épreuve de l'expression écrite. On propose 2 textes à rédiger. Au total, il y a 40 minutes. Donc, pour le premier texte, c'est une lettre formelle ou semi-formelle de 150 mots environ. Donc, la consigne qui est présente, elle donne la possibilité, elle décrit la situation de communication, elle définit l'objectif et les éléments clés de l'écrit. Donc, par exemple, il faut formuler une demande adressée au maire de la ville. Ou bien il faut donner son avis sur un livre ou bien sur un film à un ami qui demande, etc. Donc, la note maximale pour ce premier devoir est 10 points. Or, pour le devoir 2, on attend la rédaction d'un essai de 250 mots environ. Le thème de l'essai est formulé sous forme d'une affirmation avec laquelle on peut être d'accord ou on peut être en désaccord. Donc, qu'est-ce qu'on attend ? On attend le développement du sujet. On attend la prise de position, c'est-à-dire il faut se prononcer si vous acceptez ou n'acceptez pas ce point de vue. Et bien évidemment, on attend les arguments qui défendent votre point de vue. Et la note maximale est de 20 points. Qu'est-ce qu'il faut, à quoi il faut faire attention lorsqu'on fait attention. Donc, avant tout, respect de la le format de l'écrit, le style, la longueur et les éléments attendus. Donc, s'il s'agit d'une lettre formelle, bien évidemment, on prend en compte aussi la mise des éléments, la façon congé, le style, si c'est un style, le langage formel ou informel, la longueur, donc le nombre de mots, s'il est respecté,
Les éléments entendus. Par exemple, on demande de formuler une recommandation. Donc, dans votre écrit, il doit y avoir une recommandation. Vous recommandez quelque chose et vous argumentez bien évidemment votre choix. On fait attention bien évidemment à la réalisation de la tâche communicative. Donc, par exemple, dans le cadre de l'essai, il faut non seulement développer le sujet, mais il faut prendre défendre un point de vue, il faut l'argumenter, il faut être convaincant, il faut prouver que le point de vue que vous défendez est valable. Donc, bien évidemment qu'on fait attention à l'étendue et à la maîtrise du vocabulaire et à l'orthographe lexicale, donc les mots que vous utilisez, à quel point le vocabulaire que vous possédez correspond au thème. Souvenez-vous des exigences générales concernant ce niveau. Bien évidemment qu'il faut être attentif et il faut adapter le vocabulaire au thème, au contexte proposé. Il faut bien évidemment être attentif à l'orthographe des mots. Pareil pour la grammaire, c'est la variété des formes grammaticales utilisées par exemple, des temps grammaticaux utilisés, mais aussi la variété des structures syntaxiques et la complexité des structures syntaxiques utilisées. On fait évidemment attention à la dire les dans et le texte doit être cohérent, c'est-à-dire si vous prenez position, si vous défendez un point de vue, vous devez fournir des arguments qui défendent votre point de vue. Quant à l'épreuve de l'expression orale, donc là, cette épreuve, elle est individuelle. Donc le candidat se présente. Et il aura deux examinateurs et il aura aussi l'enregistrement vidéo de cette épreuve. On prévoit quelques 15 minutes pour l'épreuve qui est repartie en trois parties. Donc la note maximale est 30 points. La première partie, ce sont des questions posées aux candidats et ce sont des questions qui concernent la situation du candidat. Par exemple, si c'est un étudiant, on lui pose des questions concernant les études. Si c'est une personne qui travaille sur son métier. Ce sont aussi des questions sur les intérêts, les goûts et les préférences. Il faut donner des réponses tout de suite sans préparation. Donc, c'est une interaction spontanée. La deuxième partie... on pose des questions au candidat pour avoir son opinion d'après le thème proposé. Donc là, on peut trouver déjà des thèmes abstraits qui ne correspondent pas toujours à la vie quotidienne ou bien aux occupations quotidiennes. C'est aussi une interaction spontanée, sans préparation préalable. La troisième partie, lorsqu'on propose un sujet de réflexion, et on accorde évidemment du temps pour que le candidat puisse se préparer, s'organiser, il présentera son avis sous forme de monologue, qui peut être suivi des questions supplémentaires. Par exemple, si la réponse a été trop courte, ou bien en revanche, il a été très longue, donc l'examinateur a le droit d'arrêter le candidat et de lui demander de résumer sa sonologue. Donc, à quoi fait-on attention lors de l'évaluation et à quoi il faut faire attention aussi lorsqu'on se prépare et lorsqu'on passe cet examen? C'est avant tout la réalisation de la tâche communicative. C'est-à-dire, si on vous demande de recommander un film
il non seulement donner le titre du film, mais encore fournir des arguments. Pourquoi vous avez fait votre choix? Pourquoi c'est un film intéressant? Qu'est-ce qu'il y a d'utile? Pourquoi il faut aller le voir? Donc, si on vous a demandé de formuler une recommandation, bien évidemment qu'il faut recommander quelque chose. L'étendue, la maîtrise du vocabulaire, pareil pour l'étendue, la maîtrise des formes grammaticales et variété de structures syntaxiques. Donc, bien évidemment qu'on attend que le candidat, lors de l'interview, puisse utiliser les mots précis, les termes précis relatifs au sujet discuté, qu'il maîtrise son vocabulaire, donc qu'il utilise les mots de façon adaptée et à la situation, qu'il n'y a pas de vulgarisme, du jargon par exemple. Au niveau de la grammaire, donc les formes morphologiques qui doivent être utilisées, on attend aussi une variété. Le candidat ne doit pas être limité en deux ou trois formes. Pareil pour les structures syntaxiques. On attend les phrases complexes à ce niveau-là. On attend les phrases avec des subordonnées, des propositions relatives. On attend bien évidemment la cohésion et la cohérence discursive, c'est-à-dire les éléments, les phrases doivent être liées entre elles. Tout votre discours doit être cohérent, c'est-à-dire si vous défendez, c'est comme dans l'écrit, si vous défendez un point de vue, il faut que vous fournissiez des arguments qui défendent votre comme c'est une expression orale, bien évidemment qu'on fait attention au débit de votre discours, donc à la vitesse avec laquelle le candidat parle. S'il ne fait pas trop de pauses, s'il ne se répète pas, s'il ne se corrige pas. Et on fait bien évidemment attention à la prononciation. Si la prononciation, ce n'est pas autant la question de l'accent, c'est avant tout la question de la clarté. On comprend sans difficulté ce que le candidat a l'envie de dire. On fait bien évidemment attention aux intonations adoptées par le candidat. Voilà, donc globalement, ce sont des éléments clés de l'épreuve et des éléments auxquels il faut faire attention lors de la préparation. Je vous remercie de votre attention et je suis prêt à répondre aux questions. Merci. Merci beaucoup за внимание, которое вы уделили. Мы раскрыли основные моменты, касающиеся структуры экзамена, и обратили внимание на то, на чем следует сконцентрироваться при подготовке к экзамену и при прохождении экзамена. Если у вас возникли вопросы, я с удовольствием постараюсь на них ответить. Спасибо, Дмитрий Анатольевич. Құрматлы тыңдаушылар, агар да вебинар бойынша сауалдарыңыз болса, албатта сауалдарыңызды чатта жазышыңыз мүмкін, ва оңға қолдан келгенше жауап береміз. Мархамат. Как я понимаю, Дмитрий Анатольевич, всем все ясно. Овозымыз, узур. Одыршох
Bobo Kalonovdan ovozimizni ulasak bo'ladimi? Ovozni ulasak hamma baravar gapiradi. Shuning uchun sinf tomonidan yozsanglar, bu yerda webinar o'tkazgan Dmitriy Anatoliyevich savolingizga javob bera oladilar. Agar savolingiz bo'lsa, marhamat, shu yerda yozib berishingiz mumkin. Дмитрий Анатольевич, пожалуйста. Да. Здесь поступил вопрос. Я прошу участников не стесняться, если удобно сформулировать на русском, на французском, на узбекском. Ну, я постараюсь ответить, наверное, или на русском, или на французском, если не будет возражений. Хорошо? Ну вот поступил вопрос. Меня слышно? Поступил вопрос относительно возможности выбора тем при прохождении устного экзамена. Скажем, в том же экзамене Дельфи дают право на выбор. В рамках экзамена, проводимого государственным центром тестирования, выбор осуществляется вслепую. То есть кандидат выбирает билет, в котором указана тема. Поэтому это, ну, скажем так, выбор есть, но это выбор слепой. Во время экзамена, конечно, право на выбор не предоставляется. Demak, hozir Odilshoh Bobokalonov so'rayman, unda o'zim savol beray deb so'rayaptilar. Marhamat, men sizni uladim. Assalomu alaykum, hurmatli jamoa. Kattakon rahmat imkoniyat berganingiz uchun. Avvalambor mana shunday video konferensiyani tashkil qilinganidan juda xursand bo'ldik. Bo'lmasa, fransuz tilidan bir-ikki aniq tiradigan holatlar bor edi, shuni so'rab olay. Bonjour, monsieur Dmitri Kiselyov. On est très heureux de vous voir. Bonjour, c'est partagé. Et il était magnifique, votre présentation. Il était quasiment. On était dans la situation d'assister à une conférence français, 100%. Merci. Et il était super clair, votre conférence. On était heureux de voir ça. Et alors. Je voudrais savoir, donc le thème, comme j'ai compris, on parle de qu'est-ce qu'on doit connaître sur B2 du CSER. Alors, on doit parler globalement sur le thème B2, comme j'ai compris. Alors, j'ai eu l'occasion de passer quelques fois donc, le test pour les profs, comme on appelle Ustama. Donc, on a eu l'occasion de passer ça. Et puis, donc, en ce moment, je voudrais savoir, quand on fait des tests, alors, globalement, on pense le milieu de B2,
si quelqu'un qui a un niveau plus haut ou plus bas, est-ce qu'on peut avoir le niveau bas ou plus haut dans les situations? Le test, donc, c'est au milieu, comme j'ai compris. Si on réussit maximum, les QCM, les tests, je parle globalement. Si on réussit maximum, on va avoir que B2 alors. Pas plus que B2 ou si on a moins de notes, on ne réussit pas. D'accord, ok, je vois. Je vous remercie beaucoup de votre question aussi, de votre intervention. Вопрос состоял, я вкратце поясню, вопрос состоял в том, что при подготовке, при подборе тем для заданий, тестовых заданий для получения сертификата или при получении, например, надбавки к базовой зарплате, какого уровня сложности задания туда включаются и можно ли, если получаешь, скажем, высший максимальный результат, чтобы он был зачтен как более высокий уровень. К сожалению, здесь, ну, к сожалению или к счастью, не могу сказать. Здесь действует тот же принцип, что и во время сдачи экзамена DELF-DALF. Кандидат или же получает, если он успешно отвечает, вне зависимости, минимальный, проходной ли у него балл, или максимальный на 100%, он или получает этот сертификат, или он его не получает. Поэтому здесь, конечно же, при подборе тем мы ориентируемся на рекомендации СЭФРа, на те темы, которые рекомендованы для обсуждения на уровне B2. Ну и, конечно же, учитывается наш национальный контекст, то есть те темы, которые для нас наиболее актуальны. Donc, si nous parlons du choix des thèmes, bien évidemment qu'on suit le principe adopté pour les examens DELF. Si on obtient le résultat, si on répond au minimum, si on a le score minimal ou on a le score maximal, on a le certificat. On ne peut pas dépasser le niveau, c'est le principe des diplômes. Ce n'est pas le principe de l'examen de TCF. Donc, on a des principes d'examination différents. Ici, on a adopté le principe du diplôme. Bien évidemment qu'en choisissant les thèmes, on suit les recommandations du CECRL, donc des thèmes qui sont recommandés pour le niveau B2. Mais en même temps, on prend en compte la spécificité de notre région, de notre contexte éducatif, professionnel, etc. Donc, pour faciliter aussi la tâche pour les candidats et rendre l'examen peut-être plus intéressant, en quelque sorte. Вот, ну, мне кажется, на основной момент удалось ответить. Спасибо огромное, Дмитрий Анатольевич. Я на саваллар барма. Саваллар болса, ёки бирде чатта хамма гиозжили мукуни, ёки непосредственно Дмитрий Анатольевич узлариге хам гиборшили мукун саваллар. Мархамат. Ну, вот поступил вопрос относительно, я так понимаю, как бы проходного балла. Да? Если проходили экзамен на 60%, то давали сертификат, а отныне это не так. Я думаю, что специалисты тестового центра более компетентны при ответе на этот вопрос. Извиняюсь, можете повторить вопрос? Здесь в чате поступил вопрос. Если не ошибаюсь, 2 года назад при прохождении экзамена на 60%, то выдавали сертификат, а ныне это не так. То есть каков проходной балл, по большому счету? Вопрос в этом году. Были ли изменения? Я постараюсь тогда ответить. Димак, bizni boshqarma tomonidan hammanglarni xabaringlar bor, ikki tipdagi ya'ni sertifikatlar beriladi. Ya'ni birinchi sertifikatimiz bu chet tilini bilish darajasi aniqlash bo'yicha, ya'ni hamma xalq tilida bu sifr deb ataladi. Sifr sertifikatimiz. Ya'ni u yerda hech qanday o'zgarish yo'q. Ya'ni 60 va undan yuqori ball to'plagan, 60 va undan yuqori foiz ya'ni yiqqan talabgorga sertifikat berishi belgilab qo'yilgan. Vazirlar Mahkamasining
350 inson qarori bilan, ya'ni u agar ballni oladigan bo'lsak, 90 va undan yuqori ball. Lekin chet tillar o'qituvchilarni bazaviy lavozim maoshiga ustamalar belgilash bo'yicha bizani yana bir ikkinchi yo'nalishimiz bor, test sinovlarini o'tkazamiz. U yerda hozir ballar sal ko'tarilgan. Ya'ni oldin qanaqa edi? Birinchi 3 ta yo'nalish bo'yicha, birinchi 3 ta ko'nikma bo'yicha, ya'ni tinglab tushunish, o'qib tushunish, leksika va grammatikadan 40% va undan yuqori olgan odam keyingi etapga o'tardi. Ya'ni o'sha talabgorni o'qituvchini yozmishi tekshirilardi. Yozmishdan 50% olgan talabgor, ya'ni o'qituvchi gapirish ko'nikmasini baholashga o'tardi va undan ham 50% olganga qo'liga ma'lumotnoma berilardi va u ma'lumotnoma bilan ustama u o'qituvchini bazaviy oylik maoshi ustama belgilanar edi. Lekin hozir unga o'zgartirish kiritilgan. Ya'ni o'sha 40% 50% bo'lgan, ya'ni endi bundan buyog'iga tinglab tushunish, o'qib tushunish, leksika va grammatikadan 50 va undan yuqori foiz olish kerak bo'ladi. Gapirish ko'nikmasi hamda yozish ko'nikmasidan 60 va undan yuqori foiz olganlarga ma'lumotnoma beriladi. Savollaringizga javob berdim deb o'ylayman. Agar yana qanaqadir qo'shimcha bo'ladigan bo'lsa, marhamat. Здесь поступил вопрос относительно, ну, просьба относительно того, можно ли получить копию презентации, которая сейчас была представлена. По сути, презентацию, ну, она секрета не составляет, по сути, презентация не содержит в себе ничего нового по сравнению с демо-версиями относительно структуры экзамена, по сравнению с демо-версиями, которые выложены на сайте nsfla.us. Поэтому здесь, думаю, сложности нету. Вы можете там найти все образец заданий по всем типам. Ну и я могу, конечно, предоставить презентацию. Она это сложности не представляет. Яна, хочется промолчить. Hozir mana vebinarlarimiz o'tyapti. Vebinarlarimizning hammasi montaj qilinib, bizning saytimizga qo'yib qo'yiladi bu barchasi. Ya'ni qiziqqan odam, ya'ni talabgorlar bemalol undan keyin yuklab olib ham yana boshqatdan ko'rib chiqishi mumkin. Bu yerda u prezentatsiyalar ham hammasi barchasi bo'ladi. Если позволите, есть вопрос от участников вебинара относительно, ну, просили пояснить некоторые моменты относительно экзаменов DELF и DALF. В принципе, это можно было бы сделать, но я боюсь, что это не тот формат. Лучше по этим вопросам обращаться в Centre de Passation, в центр, где проводятся экзамены, и Alliance Française de Tashkent. Я думаю, что они в большей степени... Мы привлечены, конечно же, секретом не является, мы также привлечены к проведению этих экзаменов, но просто это формат разной организации, разный, поэтому я думаю, что следует обращаться в те организации, которыми этим занимаются непосредственно. Поступил вопрос относительно периодичности проведения экзаменов на получение сертификата. Представители тестового центра, может быть, могут уточнить, каковы перспективы проведения в этом году? Да, я постараюсь ответить. Саволом бир йилдан нечи мартта бу имтихон бўлиб ўтади деб савол берилди. Яъни қайси имтихон назарда тутилаётгани бу аниқлаштирилмаган. Демак, бизни chet tilini bilish darajasini aniqlash bo'yicha test sinovlari har oyda bir marotaba o'tkazilib kelinyapti. Lekin hozirgi kunda karantin bo'lgani sababli mart hamda aprel oyidagi imtihonlar kechiktirilyapti.
Bundan tashqari, ustamani agarda nazarda tutgan bo'lsangiz, ustama bir yilda ikki marotaba, ya'ni may va dekabr oylarida o'tkazilishi belgilangan. Demak, C1 darajasidagi testlarga javob bergan edim. Lekin ustama olish bo'yicha edi bu hammasi. Hozirda mana shu darajamizni asoslaydigan sertifikat olish uchun imtihonlar rejalashtirilmoqdami? Ya'ni C1 va C2. Bizda ya'ni C2 darajasida test sinovlari o'tkazilmaydi. Ya'ni bizda eng baloni bu C1 darajadagi testlar. Hozirgi kunda noaniqlik bo'lgani sababli, karantin bo'lgani sababli aniq bir narsa deya olmaymiz qachon bo'lishini. Albatta bu barchasi rejalashtirilgan davlat test markazi tomonidan testlar ham tayyorlangan. Bu hammasi tayyor turibdi. Faqatgina karantin tugab, ommaviy tadbir o'tkazishga ruxsat berilishi bilan bu hammasi ya'ni boshqatdan yo'lga qo'yiladi hamda bu to'g'risida e'lon beriladi. Keyingi savol, gapirish ko'nikmasiga o'tish uchun proxodnoy ball mavjudmi? Ustama uchun emas. Yoki qancha ball to'plagandan qat'iy nazar qo'yilaveradimi gapirish qismiga. Demak, ustama uchun emas bo'ladigan bo'lsa, unda farqi yo'q. Siz qancha ball to'plashingizdan qat'iy nazar gapirish ko'nikmasini ham topshiraverasiz va oxirida, ya'ni umumiy ball 90 va undan yuqori ball olgan talabgorga sertifikat beriladi. Shu daraja to'g'risida. Savollaringiz bo'lsa, marhamat. Дмитрий Анатольевич, по-моему, да. Больше вопросов не осталось, как я понимаю. Ну, я рад, если презентация была содержательной. Хочу пожелать успехов всем и тем, кто готовится к сдаче, и тем, кто помогает в подготовке. Всем нам терпения и крепкого здоровья. Спасибо огромное за вашу презентацию. Спасибо вам, спасибо всем участникам. Да, за ваше время. Бүгінгі тадбырымызда қатнашкен бар тегінгілерге хам кәттеген рахмат айтып қаламыз. Ертеге, яғни 30 апрель күні, сағат 15:00-ді кейінгі вебинарымыз болып өтеді. Яғни ұй ерді инглес тілі бойынша, қар бір көнікме бойынша немеге етібар беріш керек, ва бұны муаффақиятлы өтіш үшін қайсы тараптарға етібар беріп, қандай тапсырыс to'g'risida ma'lumot berib o'tiladi. Barchaga rahmat, sog' salomat bo'linglar.